Des histoires, PEF en a toujours des centaines à raconter aux enfants. Les écoliers lui ont posé les questions les plus farfelues et les réponses provoquent systématiquement des éclats de rire. Qu'est-ce que t'as fait de Buzz l'éclair qu'on t'avait offert à Noël dernier et que t'as perdu comme ça? Et combien de cartes Pokémon tu as? On a posé des questions et puis il était un peu rigolo. Et un peu seulement? Elle a beaucoup. Beaucoup. Dans les questions, je répondais toujours en rigolant, donc ça m'a fait rire. J'aime plutôt la vie, j'aime plutôt faire sourire les gens que les faire pleurer. Et que dans ces conditions-là, j'aime bien le style de dessin que je fais, le style d'histoire que je fais, sont d'histoires plutôt comiques. Mais ça permet aussi de débouler sur une autre considération, que parfois, ce clown que je suis, ou qu'on croit que je suis, enlève son nez rouge pour parler de problèmes plus graves, comme les problèmes de la guerre, les mines antipersonnelles, parce que la vie est diverse, voilà. Avec plus de 200 livres à son actif, PEF n'est donc pas un inconnu pour les enfants. Le prince de Montordu, qui avait la fâcheuse tendance à déformer les mots et les expressions comme le font les enfants, a fait sa renommée. Depuis, l'encyclopédie ou encore Barnabouille sont venus se rajouter à une longue liste de succès. Ce qui me plaît dans la littérature de jeunesse, c'est cette interpénétration des deux genres, l'écriture et le dessin. Mais il faut y rajouter quelque chose, puisqu'on travaille en direction des enfants, c'est l'esprit d'enfance. Et là, l'esprit d'enfance, ou on l'a, ou on l'a plus. Et si PEF peut se féliciter d'avoir gardé son âme d'enfant, ces derniers, eux, lui disent... Merci.